me suis écrasée sur un Krampus. J'ai survécu, mais... pas Helios. Ma combinaison est opérationnelle, mais je n'ai plus d'armes. Je laisse le canal ouvert. Eh bien, salut tout le monde, c'est XVSky. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo découverte sur donc la nouvelle exclu de Sony, The Returnal. Donc, un jeu où est-ce qu'apparemment on va beaucoup mourir. C'est donc pour ça que je vais faire qu'une découverte. En plus de ça, il y a bientôt Resident Evil Village qui sort. Donc, vous avouerez que j'ai pas envie de perdre ma santé mentale. Alors, on va aller voir ce que ça vaut comme jeu. On ne savait pas que X était sauté. T'inquiète pas. Allez. Donc apparemment c'est un pur die and retry et presque même un roguelike, j'ai envie de dire. Très difficile apparemment de ce que j'ai entendu. Alors. Question con, quand est-ce qu'on va se faire agresser? Alors je dois enquêter sur ce module. Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur Astra. Processus d'identification en cours. C'est... Je continue vers l'origine du signal. Oh mon dieu, c'est un clone. Allez, on va voir ce que ça vaut. Pour accéder à l'ordinateur. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc vert? Maintenir pour scanner. Allez. J'ai découvert une ressource potentielle. Elle peut servir aux réparations de la combinaison. Ok, d'accord. En tout cas, graphiquement, c'est pas dégueu. Oula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 . On peut même pas retirer dessus. Ça veut dire que je vais me faire agresser en 2 mètres, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la map? Oh! Oh non, ils sont en train de bouffer mes anciens, moi! Ouais! Oh mon dieu! D'accord. D'où j'ai pris un coup? Espèce hostile abattue. Pourquoi j'ai pris un coup? J'ai trouvé un journal de bord. Je l'ajoute à la base de données. Début de l'écoute. Début de l'écoute. Ah. Reconnaissance. Atropos. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes... À chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupéré tant que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Oh. Je me rappelle pas avoir enregistré ça. Ah, le concept a l'air marrant en tout cas. Allez, on va avancer. La clé normalement c'était là-bas. Je dirais qu'on n'ait pas un double jump. Peut-être pas au début. Ok. Se recharge la ruée ou bien...
Des soins. Ok, bon. Hop. Et hop. Ah oui, ça va, c'est... C'est assez spécial, hein. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait un système à la Gears pour, pour recharger. Il est où le monstre? J'en vois un. Oh merde, j'avais pas vu. Bon, ça va, la recharge est pas trop dégueu à faire. C'est quoi ça? C'est que ça se casse, là. Oh mon dieu, un item légendaire. Qu'est-ce que c'est? Une clé nocive. Peuvent provoquer un dysfonctionnement. Ouh là 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 là. On sent que l'environnement va pas nous faire de cadeaux dans ce jeu. L'avantage c'est qu'on a l'air d'avoir endurance infinie, c'est pas trop mal ça. Parce que bon, vu si on va devoir fuir plein d'ennemis, c'est sûr qu'on a intérêt à avoir une sacrée endurance. Hein. Quelle jolie à regarder. Des corps d'une espèce extraterrestre. Il doit s'agir des architectes de ces ruines. C'est peut-être eux qui diffusent le signal de l'ombre blanche. S'échapper est impossible. J'ai tout essayé. Je suis systématiquement ramenée par... Il y a un moment entre la mort et la résurrection, quand des tentacules m'entraînent vers le fond. Je hurle. Je me noie. Je reviens. Ça a l'air sympa d'être mort. Oh pff. Ok, ça va être comme ça. Vous me recevez? Je suis dans mon vaisseau. Ma combinaison est opérationnelle et... J'ai déjà vécu ça auparavant. Ok, donc on a un petit hub. Donc en gros, le monstre, on n'était pas supposé le tuer, il était supposé nous éclater. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui vont réussir à éclater. Ça fait quoi de dormir du coup? Mettre des points, je sais pas, améliorer nos stats. Apparemment non, ça sert à avoir des bulles. Bon, on va y retourner du coup. On va mourir! J'avoue, vous mourrez, vous trouvez sans armes. Sans les armes. Ok. Oh, bah on y retourne du coup, hein, je suppose. Hein. Oulala. Ok. Ils sont où? Ils sont où? Ah merde.
Ah, ça va être plus dur que... plus facile à dire qu'à faire, la recharge. Non, en même temps, je vois pas trop l'intérêt de viser, ça a l'air plus intéressant de tirer au jugé, ça. Sauf peut-être à longue distance, je sais pas. Mais les tirs ont déjà l'air d'avoir... comment dire... une visée un peu automatique. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une clé. Forcément, ce sera pas un loot. Hein? Qu'on fait un peu de maîtrise d'armes? C'était un loot, ok. Quoi? Vous êtes sérieux? Je ne peux pas nager? Nani! Ouais, magnifique. Même l'environnement va essayer de me tuer. Ah, c'est génial ça. Système de sécurité découvert. Ça, c'est du bon jeu. Ah, j'avais envie de mourir. C'est le bonjour. Bon, question con. Où est la sortie? Elle a l'air d'être là-bas. Bien le bonjour! Une clé? Un chargeur d'armes? Nouvelle technologie découverte. Elle améliore mon arme grâce à un mécanisme de tir secondaire. Appuyez à moitié. Ah, d'accord. Je suppose que ça permet de détruire ça. Ouais, effectivement. Ça va m'être utile. Ils sont où? Ils sont où? Et hop, oui. Ah, c'est carrément des missiles guidés. Pas mal ça. Ça rêvé ou ça m'indiquait? Allez, mangez les petits mobs. Ah, quoi là? Hop! Ça se pète ça ou pas? Vraiment non. À mon avis, il faudra peut-être plus un lance-flamme pour péter ça. Oh là là! Ouais, du pur roguelike quoi. Déplace-toi de pièce en pièce et prépare-toi à mourir. Xénotechnologie requise, ok. C'est quoi ça? Pourquoi ça s'est illuminé? J'ai peur. J'ai découvert un énorme mur derrière lequel se trouve le signal de l'arme blanche. Je ne peux pas franchir le gouffre. Quand? Pour le moment, je vais enquêter sur le relevé énergétique qui provient de la forêt. Journal de reconnaissance, Atropos. Qui a activé la diffusion? Tu as vu l'ombre blanche. Ne devrait être connue que de moi. Et maintenant, je l'entends à nouveau, sorti de nulle part. Les entiers sont-ils impliqués? Mais comment aurait-il pu savoir? Je dois espérer. Appareil extraterrestre récupéré. Je pense que ça me sera utile. Allez! What? C'était quoi ça? Va falloir du focus hein, pour ce jeu. Moi je vous le dis. Hein. What? Il y a encore une nuit derrière ce que je vois. Oh, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner à plus haut niveau, sérieux. Quoi ça? Un appareil xénotech endommagé fabrique un objet aléatoire. Ah. File-moi un truc bien. C'est quoi ce machin?
Bon, du coup, question con, je vois les portes là. Non. Ici. J'ai interagi avec d'autres versions de moi-même. Mais je crains un jour de revivre ces interactions de leur perspective. Sont-elles vraiment moi? Ou simplement des corps vides? C'est peut-être ce qui m'attend. Mais non, t'auras forcément une bonne ending, t'inquiète. Alors, je sais pas ce qui s'est passé sur mon tir là, mais. Pas glorieux. Et hop. On va peut-être pas prendre le temps tout de suite. Ah, j'ai pris un coup. Ah, ouais, j'ai pris des coups. Genre, on peut pas juste tirer dessus pour le péter? Merde. Prends le soin! C'est quoi la compétence extraterrestre? Efficacité de réparation doublée. Okay. Ah, venez, c'est par là, non? Ah! Chouette! J'ai découvert une technologie extraterrestre sur le corps d'un sentient. Le scan indique qu'elle peut améliorer la combinaison. Elle semble utilisable. Intégration du système terminée. Mise en route du test de confirmation. Désormais activer des translocateurs pour vous téléporter. Ok. Je sais pas ce que c'est un translocateur, mais. Ah, c'est sûrement ce machin. On va prendre ça. On active. On va où? C'est. Confirmé. Une téléportation d'un point à un autre. Le point d'arrivée semble fixe. Ouf, bien failli ne pas y arriver. Ok, donc on a trouvé un sarcophage qui apparemment a donné pas mal. Ah, j'ai pas réussi. Quoi ça? Convertise. J'ai un peu de mal à me repérer avec la map en vrai. Pas trop où est-ce que le jeu veut que j'aille. Ah, d'accord. Ah, je crois qu'il veut que je reprenne le téléporteur qu'on avait vu la première fois. Mais on va chercher le téléporteur du coup. C'est marrant parce que les icônes de sarcophage, je pensais que c'était des icônes pour prendre des photos, moi. Bah où? Oh là là, dis donc. Ah, c'est moche! Par contre, j'avoue que le système de recharge à la Gears of War sur un jeu où est-ce qu'il faut être. Faut tirer un max et regarder où on les tire, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Et voilà! Donc, où sommes, je ne sais. Appuyez sur R3 pour scanner et révéler les sorties. Et en quoi
C'est vrai qu'il faut aller? Oulala! Et ça envoie plein d'informations. Découverte d'une technologie extraterrestre qui produit d'autres appareils. Un marchand, ça! C'est quoi? Vont s'avérer bénéfique! Découverte de traces d'un langage extraterrestre rudimentaire. Je manque de ressources pour déchiffrer ce xénoglyphe. Ah, ballot en effet. Je suppose que là aussi t'auras pas assez. Ah. Découverte d'un fragment de langage extraterrestre. Est-ce que je peux l'utiliser maintenant? Est-ce que la traduction est correcte? Notre famille a été sélectionnée. Ah. D'accord. Petit truc à la No Man's Sky. Je détecte un étrange relevé énergétique. Ah bah je place un marqueur sur ma carte. Oh merde! Voilà. Quoi ça? On affronte des ennemis qui balancent des slimes. Wow, 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 wow. Putain, mais... Ah ouais, quand on disait que l'environnement pouvait nous flinguer, c'était pas pour rigoler, hein. Yes. C'est quoi ces tentacules, là? Genre le truc, t'allais me bouffer. Genre en mode, coucou, t'as l'air bien bon, toi. Oh là là. C'est un petit peu dur comme jeu. Pas dire sacrément dur. Enfin, du moins, ça a l'air sacré. Alors. Quelle porte devrais-je prendre selon vous? Là-bas? Ça me paraît bien pour aller dans la direction que je dois aller. C'est quoi ça? C'est une arme? Alors, comment ça se joue? Oh merde. Shotgun, ça en fait. Ah, ça peut faire des tirs chargés. Ah! D'accord. Ça fait tir chargé. Plus. Nice! Nice, nice! Pas mal comme idée. C'est quoi ça? J'ai rencontré une forme de vie. Elle paraît docile. Elle s'est accrochée à mon bras. Mais ne paraît pas hostile. On dirait qu'elle améliore et affaiblit ma combinaison. Oh sérieux, les parasites peuvent avoir un effet positif et négatif. Réduit les probabilités de dysfonctionnement, les ennemis laissent des flaques d'acide derrière eux quand ils meurent. Wouah! Oh, c'est bâtard comme truc. L'idée est bonne. Je valide. Qu'est-ce qui se passe, j'utilise ça d'ailleurs? Ah, d'accord. Portez-vous. Voilà, c'est quoi ce bruit? Yes. La question que je me pose, c'est est-ce que tous les joueurs auront forcément la même arme au début? Ah merde, j'ai plus rien! Wow.
fois. Là, là. Ah mon dieu, il y a de la lave dans le coin. Je me taille. Putain, ça file rien. Ah, je suis dans le mal. Oh mon dieu. Il est où le soin? Quoi ça? Dégâts supplémentaires, puissance de vaste... Oh, je vais peut-être prendre dégâts supplémentaires. Mais ils sont où les soins? On va voir ce mec. Oh putain, me dites pas que... Ah, y'en a un là, nice. Ah, il a pas la même compétence, celui-là. Putain, ils vont me faire peur à eux. Je vais prendre celui-là finalement. Je veux garder l'aspect électrique du flingue. Par contre, on gagne pas de vie. Hein. C'est quoi ça? J'ai découvert une sorte de technologie qui enregistre le passé. Une sorte d'archive visuelle. Les sentients ont rencontré la même faune hostile que moi. Ok. M'aide pas trop beaucoup. Wow, le jeu. Ils ont construit des défenses. Cela a dû se passer il y a des siècles. Vous êtes niveau maître 2, waouh. Je vais faire quoi là en fait? Un coffre. Oh. Ah, c'est déjà mieux là. Enfin, je crois pas que je suis allé. Je crois qu'il fallait. Ouais. Je crois que j'ai pris la mauvaise porte. Hop. Poum 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 poum. Nani ? Cube dessin, what ? Encore qu'il n'y a pas de dégâts de chute hein, dans le jeu. Oh, what? Pourquoi il y a une maison? Ça ne peut pas être ici. Je crois que je revis mes souvenirs dans cette maison, mais pas complètement. Ils sont corrodés. Il en manque des morceaux, d'autres semblent façonnés de toutes pièces. Mais je me souviens du tourment. De la sensation de perdre la tête. Oh. Il n'y a aucun confort ici, aucun endroit sûr. Et l'astronaute continue de me suivre. Oh, je voulais voir ce qu'il y avait dans la maison.
putain. Oh là, bah, bon, bon. On va pas se mentir là, je crois que je suis presque mort. Voilà, allez, donne-moi deux secondes de plus et je suis mort. Non. Oh mon. Oh bah oui. Là, prends un coup. Total dead. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on meurt tellement vite. Et je m'en fous d'avoir une surcharge amplifiée. Quoi? Oh, la flaque qui m'a tué. Et on revit l'accident. Encore une fois. Le crash. Encore. Bizarrement, on a gardé l'objet à l'arrêt dans le dos. Ils ne m'entendent pas. Je suis seule. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, dis donc. Et si je redors maintenant, après cette nouvelle mort, qu'est-ce qui va se passer? Jamais, hein? Il va peut-être y avoir un truc sympa, ou... Bon, en tout cas, le concept est intéressant. C'est juste que ça a l'air vraiment... très difficile. Je suppose qu'on n'a pas le moyen de choisir sa difficulté ou autre pour ceux qui voudraient essayer de comprendre l'histoire sans forcément se prendre la tête, mais bon. Vous me direz si le jeu est prévu pour être comme ça. On va aller voir. Jeu, aide à viser, moyen. Total. J'aurais dû mettre total, fais chier. Ah non, il n'y a pas d'aide. Hein. Eh ben en tout cas, si vous adorez ce genre de jeu, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Mais moi, je vais m'arrêter ici avant de perdre les quelques neurones qu'il me reste à peine. Mais ouais, concept intéressant en tout cas. Très joli sur PS5, franchement. Qu'elle a une bonne gueule. Mais je pense clairement que les consoles peuvent faire mieux que ça. Allez, sur ce les gens, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, poisson rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir là... attitude, comme d'habitude chez le cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'Eric, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du pédé soit vous. Peace!